Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. Voilà. J'aime ton enthousiasme, hein, mais est-ce qu'on peut recontextualiser un peu? Oui, pardon, c'est juste que j'étais impatient de vous retrouver pour cette seconde chronique consacrée aux suites de Disney. Une année s'est déjà écoulée, et pourtant, que de chemin parcouru depuis décembre dernier. Une époque où la chaîne rassemblait autant de spectateurs qu'un concert de Kinvey. Une époque où j'étais autant à l'aise devant la caméra que Kit Harington dans Silent Hill Révélation. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis là. Hello darkness, my old friend. Une vidéo qui traitait du retour de Jafar, de La Belle et la Bête 2, de Pocahontas 2, des films tantôt décevants, qui de par leur animation grossière, leur scénario minimaliste mais surtout les chansons écrites par René Lataupe, Non, merci, ça ira. N'arrive pas à la cheville des films originaux, et encore, je ne vous ai pas cité Le Monde Magique de La Belle et la Bête, t'étais pas obligé, qui réalise l'exploit d'être encore plus mauvais avec ses mini-histoires et la laideur de ses dessins qui hantent encore mes nuits autant que le traumatisant The Grudge. Faut vraiment que j'arrête de vous parler de ce film. Bref, Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. Mais stop à la fin, laisse-moi conclure mon intro. Fort heureusement, la chronique s'est achevée sur Le Roi Lion 2, qui nous a prouvé qu'il était possible de faire une suite à un grand classique Disney sans dénaturer l'œuvre originale. Bon, d'accord, c'est l'arbre qui cache la décharge. Mais il a le mérite d'apporter une lueur d'espoir alors que débute ce nouveau millénaire, ainsi que ce nouvel épisode de la suite de Trop. C'est bon, tu peux enfin citer le film. Toy Story 2, sorti en France le 2 février 2000, et évidemment suite du grand classique Toy Story sorti 4 ans plus tôt. Un film d'animation sur lequel je ne vais pas m'étendre, du moins pas dans une suite de Trop, puisqu'il ne s'agit pas d'un direct ou DVD. Allez, s'il te plaît. Bon, tu veux vraiment que j'en parle? Bah ouais. Tu es sûr? Bah carrément. Toy Story 2, c'est excellent. Il faudra attendre l'été 2000 pour voir la première suite en direct ou DVD du nouveau millénaire avec, et là je risque de vous surprendre, Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. Un choix guère surprenant, puisqu'après ces classiques, il était logique de s'attaquer à un autre grand. Ah bah non, c'est... c'est pas logique. Surtout que ce 44e long métrage d'animation du studio passa quelque peu inaperçu à sa sortie noyée entre deux chefs-d'œuvre, expliquant certainement pourquoi ma première interaction avec Dingo fut dans Kingdom Hearts. Du coup, Dingo et Max nous racontent les aventures de Dingo et Max. Oui, l'originalité n'est pas la première qualité du film. Qui partent en road trip pour ressouder le lien père-fils. Problème, Max est en pleine crise hormonale depuis qu'il a rencontré Roxane et préférerait conclure plutôt que de partir avec son père. Un scénario qui tient sur un post-it, ce qui ne l'empêche pas d'aborder des thèmes forts comme la relation père-fils, le conflit générationnel, les premiers amours, bref, l'adolescence. Ah oui, mais... ouais, quelle période, ouais. Des thèmes universels et intemporels, certes déjà traités dans de nombreux bons films, mais aussi dans de très mauvais, et abordés ici avec tendresse sans tomber dans le sentimentalisme, grâce à des dialogues réalistes entre les deux protagonistes qui, malgré des personnages secondaires intéressants, attirent toute l'attention. En même temps, vu que le film porte leur nom... Max est un personnage attachant, que les mauvaises décisions et les échecs feront grandir, en somme, le reflet parfait de cette période où l'on se cherche, surtout capillairement pour certains. Non mais ça va, oui. Un personnage doublé par le talentueux Christophe Lemoine, qui prête également sa voix à Sam Gamgee dans une saga méconnue. Ne le perdez pas, Sam Gamgee. Dingo, quant à lui, est un père dépassé mais guidé par une envie simple, partager des moments de bonheur avec son fils. Un personnage touchant par ses intentions, sa maladresse et sa sincérité qui nous fait passer du sourire au... non, pas aux larmes. Faut pas déconner non plus. Véritable héros burlesque, chaque maladresse se transforme rapidement en gag visuel disproportionné rappelant les cartoons de mon enfance. Le film ne manque d'ailleurs pas d'humour en utilisant principalement le comique de situation ou de gestes, mais aussi en multipliant les références à l'univers de Disney, comme ici où cette lampe petite sirène est clairement une allusion au retour de Jafar. Ah, bien vu! Je pense à un autre film, moi. Chacune de ces situations fonctionne à merveille grâce à un timing parfait assuré par la mise en scène de Kevin Nima, un homme qui réalise un bon film sur deux, et qui ici nous propose des transitions et des plans travaillés, embellis par une large palette de couleurs et une animation très convaincante, prouvant tout le savoir-faire du studio Walt Disney Futures Animation France, un savoir-faire reconnu par Disney qui conduit logiquement à sa fermeture en 2003. Vous l'aurez compris, Dingo et Max nous offre une aventure certes moins originale qu'un grand classique Disney, mais ce road trip n'en reste pas moins sympathique, ce qui est plutôt rare pour un film inspiré d'une série. Ah, mais je vous ai pas dit! La première apparition de Dingo ne date pas d'hier, mais de 1932, avec le court-métrage Mickey's Review. Oui, oui, c'est bien lui. Et malgré quelques apparitions aux côtés de Mickey et Donald, il faudra attendre les années 40 pour que Dingo ait sa propre série, rapidement suivie par la sous-série des Comment faire, dont le premier épisode sera inclus dans Le Dragon récalcitrant, 4e long-métrage Disney. Une belle carrière télévisuelle qui se termina brusquement en 1965. Le personnage reviendra 15 ans plus tard sans la moindre ride, au travers de cartoons sur le thème du sport, ou dans des apparitions comme ici dans le Noël de Mickey, avant de connaître un immense succès en 1992 avec La Bande à Dingo, une série qui inspirera le film Dingo et Max, et diffusée dans l'émission Disney Club qui avait l'air sympathique, même si bien loin des inégalables minicums. En toute objectivité,
Évidemment. Vu la qualité des suites produites par Disney pour ses plus grands classiques, il y avait de quoi être inquiet concernant celle de Dingo et Max. Et pourtant, on se retrouve devant un film qui reprend toutes les caractéristiques du premier opus. En moins bien. Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême, nous racontent les aventures de... Dingo et Max. Oui, l'originalité n'est pas la première qualité du film. C'est un Max heureux que nous retrouvons, puisqu'il part vivre sa meilleure vie à la fac, loin de son père. On ne peut pas en dire autant de Dingo, puisque celui-ci se fait virer après un petit incident à l'usine, et sa conseillère pour l'emploi lui dit qu'il ne retrouvera jamais de métier sans diplôme. Ce qui ferait beaucoup de chômeurs, quand même. Mais bon, c'est le prétexte parfait pour renvoyer Dingo à la fac aux côtés de Max. Alors qu'il tente désespérément de renouer le lien avec son fils qu'ils ont encore une fois perdu, Max va se servir de lui pour gagner les jeux de l'extrême et devenir le nouveau roi de la street. Ah, les valeurs de la famille. Dans le fond, le récit est un copier-coller du premier opus, avec la relation père-fils, le conflit générationnel, l'amour, tout ça. En moins bien. Oui, parce que, oubliez le voyage du premier opus, ici la trame narrative se construit autour des jeux de l'extrême, dont chaque épreuve nous démontre la naïveté du scénario, parce que bon, faut être aveugle pour pas voir qui triche là, et donne lieu à des séquences d'action trop nombreuses au détriment des interactions entre les personnages. Ces interactions nous offrent tout de même des instants d'émotion comme dans le premier opus. En moins bien. Oui, parce que, oubliez ces moments de tendresse, surtout ceux avec Roxane qui est portée disparue, mais aussi entre Dingo et Max, puisque leur relation semble bien plus artificielle, la faute à une écriture manquant de subtilité, surtout dans le traitement de ses protagonistes. Dingo en est le parfait exemple, puisque la plupart de ses interactions se résument à des gags peu inspirés se rapprochant bien plus de la série que du premier film. À cause de sa lourdeur, le personnage perd ce juste équilibre qui le rendait à la fois drôle et touchant, et malheureusement son idylle est bien trop rushée pour rééquilibrer la balance. Mais bon, il nous offre quand même la meilleure scène du film, celle où Dingo profite de cette soirée-là. Il drague, il danse, toi-même tu sais pourquoi, nous démontrant que la réalisation de Douglas McCurdy, c'est certainement la première et dernière fois que vous entendrez ce nom, fait le job sans être exceptionnel, et que l'animation confiée à Walt Disney Animation Australia est aussi convaincante que celle du studio français. Enfin, seulement pour cette scène. Oui, parce que le reste du temps, la réalisation est fade, avec de merveilleux faux raccords, dont ce numéro de téléportation à faire jalouser David Copperfield, et l'animation oscille entre le plutôt pas mal et le plutôt pas terrible, preuve que dans une équipe, il y a toujours un maillon faible. N'est-ce pas? Précisons que la quasi-totalité du doublage VF prête à nouveau leur voix. En moins bi. Ah non, ça va. Sauf que celle-ci se voit gâchée par une mauvaise synchronisation labiale. Une quoi? La synchronisation labiale, ou lip-sync. Comme le groupe. Non, rien à voir, puisqu'il s'agit des techniques consistant à synchroniser les mouvements d'élèves d'un personnage avec les paroles prononcées. Ainsi, lors d'un doublage d'une œuvre en langue étrangère, les dialogues sont traduits et adaptés à ces mouvements. Loin d'être excellent, loin d'être mauvais, Dingo et Max 2 est juste... Il existe. Le voir ne vous fera pas passer un désagréable moment, mais ce ne sera pas non plus la soirée la plus excitante de votre vie. Sauf si vous regardez cette vidéo après. En résumé, nous avons clôturé la précédente chronique sur un film plutôt bon. Nous avons débuté celle-ci avec un film plutôt sympa. Et comme on dit, jamais 203. La Petite Sirène 2, Retour à l'océan. Proverbe de merde. Suite du grand classique La Petite Sirène sorti en 1989 sous l'impulsion de Ron Clements, qui venait de co-réaliser Basile Détective Privé avec John Musker, et en accord avec la nouvelle direction présidée par Michael Eisner. En modernisant un projet qui traînait dans les cartons de la firme depuis les années 30, ces deux réalisateurs marqueront un retour aux sources pour un studio en perte de vitesse après le succès en demi-teinte de ses dernières productions. Véritable fracture avec le Dark Age, La Petite Sirène est visuellement chatoyant, avec des personnages hauts en couleur et des décors détaillés, offrant un univers riche dans lequel il est difficile de ne pas plonger. Une beauté poussée à son paroxysme dans des plans visuellement époustouflants qui titillent ma petite corde sensible, preuve que je suis un homme, mais j'ai des fêlures. Bref, des qualités que l'on retrouve bien évidemment dans ce récit inspiré par l'œuvre de Hans Christian Andersen qui nous raconte les aventures d'Ariel, une petite sirène souhaitant vivre sur Terre, loin de la mer, surtout après avoir craqué sur le prince Eric. Regarde comme il est beau. Prête à tout plaquer pour une attirance physique donc. D'accord. À la suite d'une ultime dispute avec son père, le roi Triton, Ariel part à la rencontre de la sorcière Ursula qui lui propose de remplacer sa queue par une paire de jambes sous certaines conditions. Grosso modo, elle aura 3 jours pour pécho le prince, sinon elle se transformera en algue pour l'éternité. Ah oui, quand même. Toutefois, pour le séduire, elle ne pourra pas se servir de sa voix. Ça pue l'embrouille là par contre. Fort heureusement, on est dans un Disney, et qui dit Disney dit Happy End. Une Happy End que je ne vais pas vous spoiler car vous devez voir ce film, ne serait-ce que pour ses personnages. Ariel n'est pas seulement une princesse, c'est une adolescente en pleine crise existentielle, amoureuse d'un prince qui semble être la définition de l'homme parfait.
rien à lui envier. Intelligent, respectueux, plutôt beau gosse, joueur de pipeau. Oui, bon, ça va. Ensemble, ils seront confrontés à la machiavélique sorcière Ursula, sans aucun doute l'une des méchantes les plus marquantes de l'univers Disney depuis une certaine Maléfique, avec en prime une VF emblématique en la personne de Micheline Dax. Heureusement, Ariel peut compter sur des personnages secondaires dont le rôle ne se limite pas à de simples fonctions, et apporte même une bonne dose d'humour grâce à leur mimique ou aux situations auxquelles ils sont confrontés. Merci. Merci. Toutefois, s'il y a bien un élément qui aura marqué les esprits, c'est bien les musiques. Cela devait faire bien 15 ans que je n'avais pas revu La Petite Sirène, et pourtant je me souvenais de la plupart d'entre elles. C'est juste une question de mémoire. Alors, j'en doute pas, hein, mais je pense que le talent d'Alan Menken et du regretté Howard Ashman y est pour beaucoup, tant chacune d'elles est un délice pour les oreilles et accompagne le récit avec maestria. Un talent récompensé par pas moins de 2 Oscars. Plus qu'un retour aux sources, La Petite Sirène est une renaissance pour Disney et marqua de son empreinte cette décennie 90 qui regroupe les meilleures productions du studio. En toute objectivité, évidemment. Et comme le dit le proverbe que je viens d'inventer, qui dit succès dit produits dérivés, avec des CD de la bande originale, des jouets et des objets inutiles en tout genre, des jeux vidéo que l'on fera peut-être sur Twitch. Ça va pas, non? J'ai déjà eu ma dose de traumatisme. Putain! Des attractions dans les parcs Disney, une comédie musicale avec des décors et des costumes sublimes, même si tout n'est pas réussi. J'ai envie de lancer le hashtag touche pas mon polochon. Et enfin, une commercialisation en VHS seulement 6 mois après sa sortie au cinéma qui atteindra des records de vente. Avec de tels chiffres, il était inévitable qu'une suite voie le jour 11 ans plus tard. C'est même étonnant qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Et vu l'héritage laissé par La Petite Sirène, il aurait été honorable que le studio apporte une attention toute particulière à La Petite Sirène 2 pour que celui-ci marque également un renouveau dans l'histoire des suites. Utopiste. Bon, faisons comme Ariel et jugeons d'abord sur les apparences. C'est... magnifique. Alors c'est pas vraiment ce que j'allais dire. Ok, on ne descend pas au niveau du monde magique de La Belle et la Bête, qui est notre valeur étalon de la médiocrité, mais c'est tout de même une vraie régression par rapport à Dingo et Max 2. Au-delà des couleurs criardes ou de l'animation juste correcte, le plus dérangeant reste le manque de finesse apporté aux personnages. Certains d'entre eux sont parfois méconnaissables, et Ariel a visiblement le don d'étirer son cou, comme E.T. Heureusement, certains personnages ont bénéficié d'un soin tout particulier, comme Mélodie. En même temps, c'est l'héroïne. Ou encore Sébastien. En même temps, c'est pas le plus difficile à dessiner. Oui, enfin, Polochon n'est pas très complexe et pourtant regarde. Regarde ce qu'ils lui ont fait. Je vais vraiment le lancer, ce hashtag. Évidemment, ajoutez à cela des décors d'une pauvreté abyssale sans la moindre profondeur et vous obtenez des personnages aux traits grossiers évoluant dans un univers plat où règne la banalité. Une banalité par moments interrompue par une idée de mise en scène, en réalité issue du premier opus. Loin d'en être un hommage, ces plans dénoncent surtout le manque d'originalité dans la réalisation de Jim Cumred, dont c'est le premier film. Ça se voit. Et pourtant, cela suffit pour convaincre Disney de lui confier d'autres suites comme Rock et Rookie 2 et Les 101 Dalmatiens 2. Oh, toi, on va se revoir. Mais du coup, La Petite Sirène 2, ça raconte quoi? Eh bien, l'histoire de Mélodie, la fille d'Ariel et du prince Eric. Ah ben, ça valait le coup de pas nous spoiler la fin du premier. Ça va, j'ai pas parlé de la mort d'Ursula ou de leur mariage. Pas faux. Toujours est-il qu'en bons parents, ils séquestrent leur fille dans le château pour la préserver des dangers de l'océan. Par contre, les dangers de la solitude... Du coup, elle se met à parler aux animaux. Et ben voilà. Avec lesquels elle partage son attirance pour la mer. À la suite d'une ultime dispute avec Ariel, Mélodie fuit le château avant de rencontrer la sorcière Morgana, qui lui propose de la changer en sirène à condition qu'elle vole le trident de son grand-père. Une requête qu'elle accepte, évidemment, ce qui la poussera à renier sa mère pour une inconnue dont la sincérité n'est pas la qualité la plus perceptible. Ah, les valeurs de la famille. Vous l'aurez compris, cette histoire suit les mêmes points clés que l'opus précédent, avec l'héroïne en conflit avec ses parents qui cherchent sa place, la méchante qui lui propose un marché pour finalement s'emparer du trident, et cette happy end où... tout le monde il est content. Seules les péripéties diffèrent, mais sont inintéressantes à cause d'une simple raison... le manque de talent des scénaristes. Ah oui, aussi, mais surtout à cause d'une source de motivation bien moins impactante que dans le premier film. Là où les actes d'Ariel étaient justifiés par ce désir de liberté embrasé par son amour envers le prince Eric, ici les actes de Mélodie sont justifiés par... son égoïsme. Par conséquent, difficile de ressentir de l'empathie, même pour une enfant, atténuant un peu plus cette menace déjà quasi inexistante, puisqu'inventer un antagoniste fort nécessite de la réflexion, de l'imagination et un peu de talent. Oula, attends, t'en demandes beaucoup là. Pourquoi réfléchir quand il suffit de prendre Ursula, de lui ôter quelques kilos et tout son charisme pour obtenir sa sœur Morgana? Une sœur sortie de nulle part qui, bien qu'elle soit animée par les mêmes motivations, semble avoir toujours vécu dans l'ombre d'Ursula. Arrête de me critiquer! Malgré tout, le personnage partage un atout avec son modèle, sa voix emblématique une nouvelle fois doublée par la talentueuse Micheline Dax. Car quitte à copier
autant le faire jusqu'au bout. Alors certes, on passe de l'une des méchantes les plus iconiques de l'univers de Disney à l'une des plus oubliables. Mais du coup, elle s'intègre parfaitement au film. Néanmoins, celui-ci a la bonne idée de nous proposer de nouveaux personnages sympathiques, comme les deux acolytes de Mélodie. Complémentaires, enfin, surtout la première syllabe, ils apportent un peu de fraîcheur à ce récit bien morne grâce à leur jeu de verbal et à leur doublage assuré par Laurent Gérard, humoriste qui a sûrement accepté le rôle convaincu par la vision artistique du projet. Oui, sûrement. Toute cette histoire est narrée au travers de chansons qui sont loin d'être les plus mauvaises de cette chronique. En même temps, vu le niveau. Notamment grâce à une mélodie plutôt harmonieuse, sans pour autant être des plus passionnantes. En même temps, il n'y a pas grand chose à raconter. Et c'est vraiment dommage, car celles-ci sont plutôt bien interprétées, notamment par Nathalie Foran, grande gagnante d'un concours organisé par Disney dans le but de trouver l'interprète idéal pour le personnage de Mélodie. Et de faire un peu de com' au passage. Oui, car avec plus de 4000 participantes, nombreux furent les médias à parler du film des mois avant sa sortie, prouvant que le service marketing est plus efficace que le service création. Difficile donc d'apprécier ce deuxième opus, surtout si comme je le fais vous enchaînez les visionnages, tant il y a un gouffre entre un chef-d'œuvre d'un côté et un mauvais film de l'autre. Le mauvais film, c'est La Petite Sirène 2. Et pourtant, celui-ci sera une nouvelle fois un succès gigantesque, confortant Disney dans cette stratégie de sacrifier ses classiques au nom du profit. Un sacrifice que le studio reproduit dès le printemps 2001, en s'attaquant à l'un de ses plus anciens classiques avec La Belle et le Clochard 2, L'Appel de la Rue. Un film sur lequel je ne vais pas m'étendre, car ça me fait du montage en moins, et surtout car le film comporte quasiment les mêmes défauts que La Petite Sirène 2. Et pourtant, là où cette dernière était inspirée de... rien. La Belle et le Clochard 2 est inspirée de la bande dessinée Scamp, publiée à la fin de l'année 55, elle-même issue du film La Belle et le Clochard, sorti la même année. Avec plus de 30 années d'existence, les scénaristes ne manquaient pas d'idées originales pour son adaptation en direct ou DVD. Mais pourquoi faire les choses bien? Oui, car après le succès de La Petite Sirène 2... commercial. Évidemment. Quoi de plus normal que de copier une formule qui vient de faire ses preuves et de proposer un scénario symétrique à celui de l'œuvre originale. Ainsi, là où La Belle et le Clochard nous contaient les aventures de Lady, une chienne vivant dans un paisible foyer qui va tomber amoureuse d'un chien errant du nom de Clochard, sa suite nous conte les aventures de Scamp, le fils de Lady et Clochard vivant dans un paisible foyer qui va tomber amoureux d'une chienne errante du nom de... je sais plus. Car contrairement au premier opus qui nous offrait des personnages secondaires attachants grâce à leur personnalité unique, ici le film nous en propose une galerie dont on ne se souviendra pas, si ce n'est l'antagoniste car il est méchant. Oui, pas très subtil comme analyse, mais je m'adapte au support. Finalement, seul Scamp possède une réelle identité auquel il est possible de s'accrocher, mais cela ne suffit pas à rendre les péripéties intéressantes, et ce, même si j'admets être sous le charme des nombreuses références au premier opus, quitte à ce que ça frôle le fanservice. Toutefois, on est bien loin de ces instants à la fois amusants et poétiques, ou de ces scènes qui auront traumatisé mon enfance. Cette suite adopte un ton bien plus léger, avec une romance qui passe au second plan pour laisser plus de place à un humour bas du front et prévisible qui n'a même pas réussi à m'arracher un sourire, même lorsque le gars de la fourrière se fait mordre le cul. Après... j'avais passé une journée de merde. Je venais de m'infliger le remake de Maman, j'ai raté l'avion. Sinon, visuellement parlant, cette suite fait un peu mieux que La Petite Sirène 2. Les animaux sont dessinés avec soin, et notamment le personnage de Scamp, mais difficile d'en dire autant pour les humains. Comment ça, les humains? Oui, le film commet l'irréparable erreur de nous montrer les visages de Jim Sherry et Darling. C'est peut-être un détail pour vous. Non, non, non. Ne continue pas les paroles. Tu as raison, résiste. Prouve que tu existes. Oh, gros naze. Non mais ça va, oui. Je disais donc, c'est peut-être un détail, mais révéler les visages, c'est une trahison envers une volonté artistique, et donc une insulte envers le premier film. À part ça, il faut reconnaître que c'est loin d'être moche, porté par une réalisation honnête et une animation convaincante. Toutefois, le film manque d'identité, ne marquera pas les esprits, ni l'histoire du cinéma, contrairement à La Belle et le Clochard, premier long métrage d'animation présenté en cinémascope. Oui, ça va être la minute culture de la chronique. Le cinémascope est un procédé qui comprime les images lors du tournage avant que celles-ci ne soient étirées lors de la projection, offrant un format panoramique. Développé par la 20th Century Fox en 1953 avec l'accord de Henri Chrétien, inventeur de l'hypergonard qui servit de base au projet, c'est cette même année que sortit sur grand écran La Tunique, premier film en cinémascope de l'histoire. Alors comme d'habitude... pas vraiment. Puisque déjà, sa production débuta après celle de Comment épouser un millionnaire qui est sorti peu de temps après. Mais surtout, il serait plus juste de mentionner Construire un feu, film expérimental français de Claude Autant-Lara, produit en 1928 et première tentative d'utilisation de l'hypergonard. Après un premier essai sur le court-métrage Les instruments de musique, Disney applique donc ce procédé à La Belle et le Clochard. Vous aimez? Comment ne pas aimer, tant cela offre au film une envergure nouvelle à laquelle se mêle le charme des décors pour un rendu visuellement sublime. Et même si pour être totalement franc avec vous, les musiques ne m'ont guère marqué ou alors m'insupporte. L'une d'entre elles apporte la dernière touche à un des moments les plus romantiques et poétiques du cinéma. Bella notte. Un morceau qui est incontestablement le plus marquant du premier opus. Et aussi du second. Mais pour ça, il faudra attendre le générique et se contenter jusque-là de compositions à l'image du récit, à savoir des musiques peu inspirées qui se laissent écouter sans être détestables.
Vous l'aurez compris, La Belle et le Clochard 2 est une fois de plus un direct-to-DVD loin d'être excellent, sans être un fiasco non plus. C'est un film tout simplement oubliable, au point que son récit est sans doute celui qui, après tous ses visionnages, m'a laissé le plus indifférent. Heureusement, j'avais tout noté sur un post-it, et j'ai même pas eu besoin du verso. Aveuglé par ses succès faciles et peu onéreux, Disney accélère la cadence avec de nombreuses suites dont j'aurais aimé vous parler dans cette chronique, mais un événement inattendu changea la face du monde en février 2002, et je ne parle pas de mon anniversaire, en même temps, je suis pas né en février. La sortie du Bossu de Notre-Dame 2, sous-titré Le secret de Quasimodo pour les intimes, sans aucun doute le film que vous avez le plus descendu en commentaire sur la précédente vidéo. Et objectivement, cette suite est une vraie démonstration de médiocrité, surtout si on le compare au 34e classique d'animation du studio Disney sorti 6 ans auparavant, Le Bossu de Notre-Dame. Librement adapté du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris paru en 1831 et qui ne cesse d'inspirer le cinéma depuis sa création, celui-ci nous conte les aventures de Quasimodo, un orphelin recueilli par le juge Frollo depuis qu'il l'a retrouvé dans les rues un soir d'hiver. Une bien belle personne. Mais surtout depuis qu'il a tué sa mère sur le parvis de Notre-Dame, essayant ainsi de se racheter une conscience aux yeux de Dieu. Pas si belle finalement. Et comme si cela ne suffisait pas, Frollo le condamne à l'exil dans les tours de la cathédrale car il le juge difforme et très laid. Bon, c'est un effroyable connard. Un jour, Quasimodo décide de quitter sa tour et va faire la connaissance d'Esmeralda, une bohémienne dont il va tomber amoureux, ce qui ne va pas plaire du tout à Frollo. Finalement, le film nous apprend que la beauté intérieure, c'est bien, mais que pour Pécho, la beauté extérieure, ça compte aussi, avant de se clôturer sur la traditionnelle happy end. Dans mes souvenirs, le livre ne se terminait pas vraiment comme ça. Après, j'ai jamais lu. Effectivement, nombreuses furent les critiques dénonçant le fait que le long métrage s'éloignait trop du roman original, oubliant qu'un bon scénario ne dépend pas de sa faculté à adapter une œuvre à la virgule près. Surtout que même si un tel récit semblait impossible à adapter dans un film d'animation Disney lorsque l'on connaît la noirceur de son histoire et des événements qui s'y déroulent, ou que l'on a lu le résumé sur Wikipédia, Le Bossu de Notre-Dame arrive à en conserver l'essentiel, notamment ses thématiques telles que la tolérance, l'acceptation de soi, l'amour, mais aussi des thèmes plus controversés comme la mort, même si sur ce sujet Disney n'en est plus à son d'essai. T'étais pas obligé de nous montrer ces images. Tu préfères ça? Mais stop à la fin! Je disais donc, oui, des thèmes controversés comme la mort, l'exclusion, la dualité, la religion ou encore le désir de la chair. Des sujets forts, brillamment abordés dans des chansons écrites par le parolier Stephen Schwartz, à qui l'on doit déjà celle de Pocahontas, une légende indienne. Des paroles qui, non contentes d'être harmonieuses et de parfaitement s'intégrer au dialogue, possèdent une double lecture subtile et sont accompagnées par les compositions d'Alan Menken dont le talent s'exprime à chaque fois qu'il signe un classique Disney, un talent qui semble ici être à son paroxysme. Tantôt douce avec de merveilleuses notes de violon, tantôt puissante avec le son des cloches de Notre-Dame, ces accords se marient parfaitement avec les voix, qu'elles soient originales ou françaises, et notamment avec celle de Francis Lalanne, dont l'intonation retranscrit à la perfection toute la sensibilité de Quasimodo. Non, n'ajoute rien sur Francis Lalanne. Ou encore du regretté Jean Pia, qui prêtait sa voix à Scar dans Le Roi Lion ou à Gandalf dans une saga méconnue. Fuyez, pauvre fou! Et qui ici apporte au juge Frollo ce ton grave qui correspond parfaitement au personnage. Un personnage qui est bien plus qu'un simple méchant. C'est un homme fondamentalement mauvais qui paradoxalement est persuadé de posséder une âme pure, d'avoir un esprit juste, voire d'être un bienfaiteur pour le peuple et pour Quasimodo, oubliant qu'il l'aurait tué sans compassion sans cette crainte de la damnation. C'est une nouvelle fois cette crainte qui le poussera de protecteur à bourreau en mettant Paris à feu et à sang dans l'unique but de retrouver Esmeralda, cette bohémienne dont l'attirance est synonyme de torture car en totale opposition avec ses convictions. Un chic type. Bien plus qu'une banale love interest, Esmeralda est donc le point central de l'intrigue, une femme courageuse et pleine de compassion qui va délivrer Quasimodo de sa tour avant que celui-ci, tout comme cet homme au caractère opposé qu'il appelle mon maître, ne tombe amoureux de cette femme dont belle est un mot que l'on dirait inventé pour elle. Un mot qui désigne la beauté de son âme, mais aussi celle de ses traits dessinés avec finesse. Un soin que l'on retrouve sur l'ensemble de ses personnages prenant vie grâce à une animation maîtrisée dans des lieux fourmillants de détails, et notamment Notre-Dame. Une cathédrale où la caméra semble danser entre ses colonnes et ses gargouilles sous de somptueux jeux de lumière, elle aussi emportée par la musique, avant de se figer afin de nous faire contempler de merveilleux panoramas dignes de toiles de maître. Oui, j'ai bien kiffé, ouais. Une maîtrise guère étonnante lorsque l'on sait que Gary Truesdale et Kirk Weiss sont à la réalisation, eux qui nous avaient déjà éblouis dans un certain La Belle et la Bête, nous offrant certainement l'un, si ce n'est le plus beau long métrage d'animation en 2D de tous les temps. Le Bossu de Notre-Dame est donc un film mature, puissant, magistral, l'alignement parfait entre différents talents à leur apogée, le point d'orgue de ce que La Petite Sirène avait entrepris, et ce malgré l'excellence des grands classiques qui le succéderont durant cette décennie 90. C'est pour toutes ces raisons que je m'étonne de ne jamais avoir entendu quelqu'un me le citer comme étant son Disney préféré. Bon, après c'est pas le mien non plus. Tout comme je n'ai jamais entendu quelqu'un me citer Le Bossu de Notre-Dame 2 comme étant sa suite Disney préférée. Et pour le coup, ça m'étonne moins. Et il suffit de regarder la première image du film pour comprendre pourquoi. Une image sur laquelle je ne sais pas trop quoi dire à part Burke. Ouais.
Burke. Difficile de ressentir autre chose que du dégoût face à des personnages aux traits si grossiers, qui errent sans vie dans des décors d'une pauvreté abyssale colorée avec des tons fades et baveux, le tout avec ce petit grain à l'image typique des mauvaises productions, pour un résultat similaire au Retour de Jafar, première suite en direct ou VHS sortie 8 ans auparavant, que nous avons déjà traité dans une super chronique. Des vidéos à voir et à revoir chez vous. Avec si peu de matière, je ne vois pas ce que le réalisateur Bradley Raymond, déjà à l'œuvre sur l'oubliable Pocahontas 2, aurait pu faire de mieux. Refuser de réaliser cette merde, par exemple. Au lieu de ça, la mise en scène est... Ben, il n'y en a pas, tout est très statique, certaines transitions sont de simples fondus au noir, l'animation est très mauvaise, et pour couronner le tout, des personnages disparaissent parce que le film n'a pas été conçu pour une exploitation en 16/9 mais en 4 tiers. Bref, le salade tomate-oignon de la médiocrité. Néanmoins, ne jugeons pas trop vite, car s'il y a bien une chose que le bossu de Notre-Dame nous a appris, c'est que le visuel est superflu, la vraie beauté se trouve à l'intérieur. Alors visiblement... pas toujours. Cette suite prend place quelques années après les événements du premier film, tandis que Quasimodo est toujours en pleine déprime depuis qu'il s'est fait friendzoner par Esmeralda. Un beau jour, une femme vient à sa rencontre, et après une palpitante partie de cache-cache, je suis caché, bim, coup de foudre. Enfin, pour Quasimodo seulement. Oui, car la madame part direct en courant, mais finira tout de même par revenir parce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Je crois bien que je me trompe de comédie musicale. De toute façon, elle ne l'aime pas vraiment, puisqu'elle se sert de lui pour trouver la fidèle, une cloche qui apparemment vaut un peu plus qu'un smic, et donc convoité par un méchant dont on devine qu'il est méchant parce qu'il se cache dans l'ombre comme tous les méchants. Mais Kazi, il lâche pas l'affaire. Et après un peu de forcing digne des plus grands relous en soirée, viens te réchauffer. Tout se conclut évidemment par une happy end. Alors ok, raconté comme ça, le récit n'a pas l'air catastrophique. Et pourtant, il n'est qu'une succession de facilités scénaristiques qui témoignent d'une paresse d'écriture. Ou qu'ils en avaient rien à faire. Ne dis pas de bêtises. Comment ça, des bêtises? Vous voulez savoir comment le méchant arrive à descendre la cloche du sommet de la tour jusqu'aux égouts? Eh ben grâce à un tour de magie, parce qu'il est magicien. Et vous voulez savoir comment nos héros retrouvent sa trace dans les égouts? Eh bien grâce au flair d'une chèvre, évidemment. Et vous voulez savoir? Non, non, c'est bon. Je pense qu'on a compris. Alors, ajoutez à cela une morale autour de la beauté intérieure martelée à chaque interminable seconde, et vous obtenez un scénario insignifiant qui pourtant est incontestablement le point le plus réussi du film. Enfin, de plus réussi... de moins pire, quoi. Et ce, même s'il s'accompagne de dialogues insipides qui, par moments, essaient d'insuffler de l'humour. Abracadabré leur cadabra. On n'a pas tous le même humour. Et ne comptez pas sur les chansons pour raconter quelque chose, puisque celles-ci ne suscitent que l'ennui, au point que le retour de Francis Lalanne, bien que relevant de l'exploit, est finalement anecdotique. Non, 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 toujours pas. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce film, au risque de passer plus de temps à l'analyser que le studio à le produire. In fine, on peut dire que le bossu de Notre-Dame 2, Le Secret de Quasimodo, n'est pas quasi merdique. C'est un véritable navet qui me ferait presque relativiser la nullité des épisodes précédemment traités. Non, quand même pas. Mais surtout qu'il nous dévoile que son secret n'est pas comment faire une bonne suite, mais plutôt comment insulter l'œuvre originale en regroupant tout ce qu'il ne faut pas faire dans un long métrage d'animation. Donc si vous n'avez jamais vu Le Bossu de Notre-Dame, regardez-le. Et si vous n'avez jamais vu Le Bossu de Notre-Dame 2, fuyez, pauvre fou. Malgré ce désastre absolu, Disney était loin d'en avoir fini avec ses suites en direct ou DVD, sans se douter des répercussions qu'elles auront sur l'avenir du studio. Des suites que nous traiterons dans une troisième chronique, seulement si cette vidéo atteint les 10 likes. Ça dépend donc uniquement de vous. Car pour ne rien vous cacher, c'est avec grand plaisir que j'ai découvert ou redécouvert ces suites de Dingo et Max, La Petite Sirène, La Belle et le Clochard ou encore Le Bossu de Notre-Dame. Non pas pour leur qualité, ça c'est sûr, mais parce que c'était une excuse parfaite pour revoir ces grands classiques, pour vous raconter leurs histoires au travers de cette chronique, me rappelant par la même occasion à quel point ce petit garçon est heureux d'avoir grandi dans les années 90.